Affaire Ali Haddad, le verdict est tombé. La cour d'Alger a rendu aujourd'hui le 3 novembre le verdict dans le procès de l'homme d'affaires Ali Haddad, poursuivi avec les deux anciens premiers ministres Amadou Yahia et Abdelmalek Sehal, et d'anciens ministres pour des chefs d'inculpation de corruption. Les verdicts prononcés aujourd'hui comprenaient une réduction de la peine d'un certain nombre d'accusés en question, notamment le principal accusé, Ali Haddad, qui a été condamné à 12 ans de prison. Les deux anciens premiers ministres, Amadou Yahia et Abdelmalek Sehal, sont condamnés à une peine de 8 ans de prison ferme. Les anciens ministres des Transports et des Travaux Publics et de l'Industrie Amar Ghoul, Amara Ben Younes, Abdeslam Bouchoureb, sont condamnés à 7 ans de prison ferme.